Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous filer, vous allez voir. Alors c'est des trucs moins importants que les autres, mais qui peuvent être utiles pour certains barbus. D'abord, on va aller voir pour désigner Skixetti qui a gagné mon appareil photo et ma caméra, le Pentax KS2, avec son objectif 12-24 et tout plein de trucs. Alors vous avez été 127 à participer, à laisser un petit commentaire, merci à tous. Malheureusement, j'ai qu'une seule caméra à donner. C'est qui les gens qui sont arrivés en premier? TheFou57, avec 17 upvotes. L'Atelier Récup Bois, avec 11 upvotes. Et Playmo Live, avec 11 upvotes. C'est les trois qui sont arrivés en premier dans cette espèce de concours des upvotes. Et après avoir regardé un peu leur texte et surtout leur motivation, etc., etc., c'est moi qui ai pris la décision de filer ma caméra à l'Atelier Récup Bois. Même si les trois auraient pu profiter de la caméra, je pense que c'est celui qui a le meilleur potentiel pour pouvoir utiliser le matériel de la façon la plus optimale. À savoir que j'ai une GoPro Hero 3 White Edition que j'utilise plus aussi et je le refilerai soit à Playmo Live, soit à TheFou57, je sais pas encore, je ferai un pile ou face et comme ça sur les trois il y en aura un seul qui sera perdant. Voilà, en tout cas bravo à l'Atelier Récup Bois, bravo à TheFou57 et bravo à Playmo Live, mais l'Atelier Récup Bois c'est toi qui récupères ma caméra et j'espère que tu en feras bon usage. Oui, les fêtes c'était il y a quelques jours, Nouyel et tout ça, c'était le barbu psychopathe avec sa barbe blanche qui vient par effraction vous filer des cadeaux. Il est passé, j'espère que vous avez eu plein de trucs trop cool. Moi j'ai encore du matos pour vous, du matos un peu moins impressionnant mais qui peut être intéressant. Premier élément, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait le test il y a quelques mois d'un espèce de mini tour chinois récupéré sur Banggood qui est ici. J'ai perdu la moitié des pièces, mais il y a un moteur à récupérer. Je sais plus combien de milliers de tours il fait, mais ça peut être intéressant pour un barbu. Donc j'ai le moteur, enfin j'ai ça avec l'alimentation. Si ça intéresse un barbu, je vous dirai à la fin de la vidéo comment participer. Ça c'est la première chose. Donc le mini tour, sans les accessoires que j'ai perdus pour récupérer éventuellement le moteur. Il y a un mandrin, une imprimante à ticket de caisse. Ouh, trop bien. C'est une imprimante pour ticket de caisse standard qui se connecte sur USB et vous pouvez lui faire imprimer plein de trucs. Moi je l'avais utilisé pour une installation dans un de mes précédents boulots. En fait celui-là c'était l'unité de backup. J'ai ça et j'ai 5 rouleaux de papier thermique. Donc si ça intéresse quelqu'un, ça aussi je peux l'envoyer par la poste. Le dernier élément que je donne dans ce Noël des barbus, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est une Kinect. Donc une Kinect qui vient d'une Xbox 360 avec la lime, le câble USB, le Kinect marche, puisque je l'ai utilisé il y a quelques mois. Ça peut être des projets pour faire du scan 3D, des trucs comme ça, etc. etc. C'est pour ça que je l'avais gardé, mais honnêtement, je ne l'ai pas utilisé. Donc, plutôt que de pourrir dans un coin, je me dis qu'un gentil barbu peut-être trouvera une utilisation. Comme vous le voyez peut-être là, non là, voilà, ici, je suis en train de faire des rangements, j'ai fait des French clits, je commence à ranger un peu mon bordel à droite à gauche, et je découvre des trucs qui potentiellement pourraient intéresser les barbus à droite à gauche. Donc même si c'est plus la saison, le Noël des barbus continue et va continuer. Donc avec des trucs moins importants que la caméra ou l'ordinateur, mais des trucs quand même. Comment est-ce que ça va se passer? Alors j'ai découvert un service qui s'appelle glim.io. Donc les trois liens sont dans la description pour participer et gagner éventuellement l'un des trois lots. Donc je répète, le mini tour Banggood, l'imprimante à ticket de caisse et papier thermique et le Kinect. Ces trois trucs là, et ben vous avez à chaque fois un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous suivez les instructions, pif paf pouf, et dans une petite semaine je vous dirai qui a gagné et peut-être il y aura d'autres trucs à gagner, je sais pas quoi. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Noël des Barbus. Quelques petits trucs à gagner sympathiques qui peut-être pourront vous aider dans certains de vos projets. Bravo à l'Atelier Récup Bois. Je mettrai un petit lien dans la description aussi. Parce qu'il y a des vidéos qui sont plutôt sympas. Il y a un calendrier de l'avion,
Il a un calendrier de l'Avent pour bière en bois. Bravo à lui. Je te contacte et je t'enverrai la caméra d'ici pas longtemps. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes. Tu trouves que c'est nul que ce soit l'atelier Récup Bois qui ait gagné ça. Tu sais comment faire. Hein. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Benjamin ou Zotelier, cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes super démentiels. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Noël des Barbus. Bonne fête à tous, joyeux Nouyel, que la barbitude soit avec vous et à bientôt.